Salut les cafardinos, dans cette vidéo je vais comparer la M4A4 et la M4A1S suite à la mise à jour de Valve sur CSGO. Je vous donne mon petit ressenti en deathmatch pour savoir un petit peu laquelle est la plus efficace selon moi et surtout la différence de prix. J'attends encore et je me laisse un petit peu le temps de la réflexion pour donner un avis définitif dans une prochaine vidéo. Donc soyez abonnés, ce serait quand même un petit peu mieux selon moi. Pour justement voir si la rentabilité d'une arme plutôt qu'une autre est efficace dans le sens où il y a quand même toujours la différence de prix et je vais voir un petit peu sur le circuit professionnel ce que ça donne. Mais selon moi on cherche réellement à faire un équilibrage sur ces deux M4 pour avoir un taux de pic 50-50. Donc on va voir ce que ça va. Ok, dans les couilles peu importe l'arme, ça sera toujours 4 balles. Là, selon la distance, c'est 4 balles pour la S, c'est 5 balles pour la 4. En fait, le problème c'est pas ça, c'est il n'y a pas de recul, c'est en fait c'est les gens comprennent pas quoi. Tu prends, tu fais ça, et tu tues le mec. Toujours la même chose, l'arme est trop efficace, il n'y a pas de recul. C'est pas une question qu'elle tue en 4 balles. C'est que t'es là et tu fais ça et t'as tué un mec quoi. C'est ça le problème de la S. C'est pas que les balles sont moins puissantes, même en 5 balles de loin frère. Ça fait que tu vises un peu les couilles. Bon, on spray quoi, donc on descend. Donc juste tu contrôles comme ça quoi. Pour moi tu feras toujours des moins 2 hein. Pour moi, il y aura toujours. Pour moi, il y aura toujours des moins 2. Alors que là, faut contrôler, hein, on va pas se mentir. Le temps qu'il faut. Tu joues à un bon niveau, mon frérot, je vais t'expliquer. Tu joues à un bon niveau. Tu prends. Tu tues, en fait, très vite. Vite en vrai. Oh, si je lâche pas, je le tue. Voilà le spray, tu vois, il faut contrôler, genre, je sais pas comment t'expliquer, mais voilà, je m'y suis pris deux fois avec la S, je pense en... Avec la S, le mec Window, là, je le tue plus vite, et le mec Uzi, Chair, je le tue plus vite aussi, en fait. Il y a deux kills déjà, je sais qu'à la S, je les tuerai plus facilement. Là, on s'en bat les couilles, c'est une tête. Là on s'en bat les couilles, c'était propre. Là c'était 2 balles. Voilà, là. Tu vois ça là? À la S je le tue. Voilà, là il n'y a pas photo, à la S je le tue, tu comprends ou quoi? Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Là que ce soit la A4, que ce soit la S, ça change pas. Mais il y a des situations où la S tu tues. Là bon, la S... Voilà, là à la S, j'aurais moins chié genre, tu vois. J'aurais moins chié dans les murs. Ah, je l'aurais peut-être un peu tué plus vite. Après c'est sûr tu peux enchaîner, tu vois, tu fais des moins 3 comme ça, propre. Je parle vraiment de... Voilà, tu vois là, pareil. Voilà. Là, la haie, je l'aurais tué plus vite aussi. Là, la haie, je l'aurais tué aussi. 94 en 4, regarde. 94 en 4 et j'ai chié des balles à droite et à gauche, tu vois. À la S, j'aurais eu un spray plus concentré, donc j'aurais touché plus le mec et je l'aurais tué, 100%. Là, c'est pareil, là, je l'aurais tué aussi. Ouais, non, j'ai chié. Là, il y a des têtes, donc... Après, moi, j'ai tellement joué à la A4 que... Je maîtrise un peu la A4, là. Oh, le 2 balles. Il m'a arraché la figure. En fait, parce que les gens ils parlent de long range. En mode ouais, la M4S long range ça sera 5 balles. C'est pas le problème de 5 balles en fait, c'est le problème de contrôle. J'ai chié complet. En fait, la A4 elle pardonne pas un peu. C'est comme la K, genre c'est. Quand tu chies genre. Ah, là je le tue. Ah, tu vois là, 88 en 4, là je le tue. Tu vois, il n'y a pas de secret genre. Il y a vraiment des situations où la A4, t'es mort en fait. T'es mort parce que t'as la A4. Et la S est meilleure, point à la ligne. Oh là, là tu vois, la S je le tue plus facilement. Je le tue mais vas-y. Là la S je le tue en bas aussi. Je transfère et je transfère plus rapidement je pense. Magnifique. Magnifique. Magnifique.
Tu vois, mais ça après c'est la cadence de tir de la 3, tu vois. De la A4. Là, la je les fais pas autant, je fais pas autant de kills là, là par exemple. Là c'est la A4 qui me donne ça, parce que la cadence de tir fait que tu mets 2 balles plus rapidement. Je sais pas comment expliquer. Mais je les mérite en fait, c'est du skill, je sais pas comment expliquer. Là, à l'aise, je le tue plus vite sur celui-là. Là, je me fais arracher. Tu vois là comment j'ai chié? Là, pareil. Tu vois? Ça, c'est que des situations où ça fait peur, genre. Voilà, je spray, c'est beau, tu vois. Tu peux pas dire oui, non. C'est, je prends, je spray, c'est magnifique. Je prends, je mérite mon kill. Là, pareil, le spray, il est propre. Tu prends, tu dis, t'es fort, merci. Tu vois, ça se mérite un peu à la A4. Ça se mérite un peu à la A4. Oh, si tu retires le silencieux, tu perds la précision de la M4S. Après, moi je vous dis. Il y a le prix aussi. Il y a le prix de la. Oh, j'ai linké sa mère. Oh là là, voyez la S là? Là, allez, je le tue. Regardez, 90 en 4. Je le sais tout de suite que j'ai chié. En fait, la A4. C'est comme la K, si tu chies un peu, t'es fini. Une situation. Voilà, c'est pareil. Là, je le tue. Là, je le tue, frère. Là, je le tue, gros. Mais tu vois que j'ai des défauts. Tu le vois que j'ai des défauts, en fait. Je sais pas comment expliquer. Tu le vois tout de suite qu'il y a des défauts. Et encore, peut-être, vous me voyez jouer et vous dites, tu es fort, tu vois. Tu vois qu'il y a des défauts dans mon AIM. Tu vois? Là, c'était propre. J'ai mérité. C'est un beau spray. Là, c'est mérité aussi. Je vais niquer sa mère. Il y a vraiment des situations. Ah, ça, par contre. Ah, la A4, ça. Ça m'a manqué, ça, tu vois. Les bons trucs comme ça. La A4, là. Ah, les trucs comme ça, là. Ça, c'est pas mal, ça. Ah ça la A4 c'est trop bien ça. C'était une vraie mécanique de jeu ça. De tirer vite fait en mouvement. Genre. Ça j'allais le faire. J'ai eu ou pas? Regardez 49 en 2, vous voyez le mec en haut? 49 en 2 à la S. Je pense que je mets 88. Peut-être pas je le tue, mais je l'arrache en fait. Vous comprenez? Là je le tue à la S. 59 en 3 je le tue à la S 100%. Il y a une balle qui le toucherait. Pareil je le tue plus vite à la S je pense. J'ai un peu galéré sur mon spray. Et en fait c'est ça qu'il faut que vous compreniez. La S restera toujours au dessus pour ces raisons là. Cadence de tir, les dégâts, courte distance. Vraiment sur des duels vraiment courte distance y a pas photo en fait. Et t'assureras plus de kills. Et le prix aussi. Et le prix. Ouh, magnifique spray. Et le prix. Le prix de la S en fait. La 2K9, oubliez pas. Hein. 2K9, les gars. Ça te permet. Là, je le tue à la S. Regardez, 95 en 4. Je pense qu'à la S, je le tue. Je pense qu'à la S, je le tue clairement à la S. Je suis d'accord si on revient à la S. À la A4, pardon. Et tout le monde revient à la A4, quoi. Ça, on est tous sur le même pied d'égalité, en fait. C'est ça le problème. Parce que les deux balles de la A4 c'est trop en fait. Vous voyez là, les deux balles comme ça là. C'est trop tiré comme ça la A4. Ah, c'est magnifique ça. Oh là là. Oh là là j'ai chié. Vous voyez, ça pardonne pas la A4. Dès que tu chies dans le froc. Oh laissez moi. Dès que tu chies dans ton froc à la A4 c'est fini tu vois. Voilà j'ai chié dans mon froc c'est fini. On va voir tout de suite la diff, hein, je te le dis. Voilà, tu as commencé facile. Je l'ai tué, genre facile. Tu vas voir tout de suite la diff. Je l'aurais flingué. Voilà, facile, tu vois. Aucune panique. Je l'ai tué en une microseconde. Tu vois, c'est des duels comme ça, tu te dis, je suis trop fort, mais non, en fait. Voilà, mort, ça y est, c'est fini. Ok, il me fait péter la gueule. Fini.
Je fais jamais reload aussi. Voilà, fini. Toutes les balles sont concentrées. C'est trop bizarre à expliquer en fait, mais... Tu vois, imagine la longue distance, hein, comment je vais péter la gueule. J'ai aucun contrôle. Je sais pas comment expliquer, j'ai aucun contrôle sur mon sprint en fait. Là j'ai chié. Parce que tu vois, je baisse trop le viseur en fait. Je me suis réhabitué un peu à la A4, il va falloir 2 minutes au moins. Pour que je reprenne la sensation de la S. Voilà, mais tu vois là, comment c'est facile. Tire tout droit en fait la S. C'est, je sais pas comment tester, t'as moins d'effort. T'as moins d'effort. Putain, là c'est le nerf, là c'est le nerf, tu vois, je pensais que je l'avais tué carrément. Voilà, hop, j'assure, merci, au revoir, 2 kills. Là, fini. Là, oh, pas fini. Là, fini. Facile, je sais pas, j'ai pas d'effort à faire. Je me concentre pas trop sur les duels. À la A4, faut regarder un peu son viseur, genre, je sais pas comment t'expliquer, mais... Alors, on lui pète la gueule. En fait c'est facile. Ça se voit ou pas? Tu vois, aucune frayeur. Aucune frayeur. Tu vois, hop, tu le traques, c'est fini, merci, au revoir. Tu vois, aucune frayeur. J'ai chié, hein. J'ai grave chié sur le spray. Regarde. Regarde. Facile, 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 facile. Là j'ai fait. Là je meurs là. Là sur une situation comme ça, je meurs depuis longtemps. Hop, fini, au revoir, 2 kills. Merci la M4S. Hop, fini, merci, au revoir. Hop, fini aussi. Hop, fini aussi. C'est facile. Hop, fini, on enchaîne. Hop, fini, on enchaîne. Hop, fini. Fini. Tu vois, c'est... C'est pour ça que le nerf des 30 balles. Là, fini aussi. Là, fini aussi. Là, fini. Là, fini. Là, je chie un peu dans mon spray, mais tranquille, tu lâches pas et c'est bon. Tu pries un peu et ça va. C'est pour ça que le nerf des 30 balles, il était nécessaire. Parce qu'en fait, tu peux pas faire moins 3, genre. Tu vois, c'est... Tu peux pas faire moins 3, tu vois. Mais t'imagines, je m'arrête pas, là. Je suis inarrêtable. Regarde, hop, fini. Il est où? Regarde. Je vais carboniser sa mère, genre. Fini. Là y'a un mec. Fini. Fini. Ah, reste à la S en vrai. Ah non mais je le sais que je vais rester à la S. Déjà elle est à 2900, donc déjà ça te permet d'acheter plus souvent que 3K1. Deuxième chose, ah bah moi je suis une salope, je joue pas les duels. Donc là ouais, bon c'est vrai que là sur ce coup tu vois, là tu le sens le nerf tu vois, là sur le duel. Faut juste l'accrocher. Voilà, hop. Faut juste accrocher les gens. Le FAMAS. Ah, le FAMAS, c'est. C'est une arme de chaussettes, frère. Le FAMAS, en fait, faut vraiment mettre une tête. Sinon, le duel, c'est 5-6 hits, frère. Avec le spray qui part en couille. Voilà, tu vois, là, c'est le M4. Là, c'est le FAMAS, tu vois. Je rate parce que c'est le FAMAS. Après maintenant le FAMAS, le truc c'est qu'aussi il coûte pas cher. Donc avant il était à 2300, c'était des ouf. Mais maintenant il coûte quoi? Il coûte 2000. Donc en fait à 2000$ il est viable. Comme il est là. Oh là là, tu vois là je rate parce que c'est le FAMAS, frère. C'est interdit de rater un duel comme ça. En fait tu veux spray dans le corps, mais la cadence, tout. Oh, tu vois là c'est nul, frère. Ça c'est que des phases de jeu. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, 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 goal. En fait le truc c'est qu'aujourd'hui voilà il a 2K en fait le FAMAS, donc tu peux pas trop le cracher dessus tu vois.
Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. Et je vous le répète, je me laisse le temps de la réflexion, de jouer avec quelques jours, de voir un petit peu la méta sur le circuit professionnel pour me donner un avis définitif. Pour moi, ça sera 50-50. Hein. Faut pas se leurrer. Je pense que Valve cherche réellement à équilibrer les armes de sorte à ce qu'il y ait un taux de pique un petit peu préférentiel selon les personnes. Donc, soyez au rendez-vous. Abonnez-vous, les amis. Continuez de donner de la force. Merci infiniment.